de la moutarde, du pain, du beurre, de petits oignons. Et oui, on va cuisiner avec le chef Fabrice Mignot, chef toulousain, qui a un média, Cuisine ta mère, un bouquin également, et qui aujourd'hui va nous faire une recette pas du tout toulousaine, mais avec, au contraire, vous allez voir, des petits accents asiatiques. Regardez. On se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un wok de bœuf aux légumes croquants. Vous allez voir, c'est gourmand et c'est super simple à faire. La liste des ingrédients. Alors, nous avons besoin d'un pavé de bœuf. Ici, c'est un rump steak, de pousses d'épinards. Nous avons des haricots mange-tout, nous avons le citron, un petit piment, soja, miel, des cacahuètes, oignons jeunes, gingembre, des carottes fanes, un tout petit peu d'huile de cuisson, là c'est pépins de raisin, une gousse d'ail et de la coriandre. Bien sûr, suivant la saison, vous choisissez les légumes que vous préférez. Première étape, on va réaliser la sauce qui va nous permettre de déglacer notre wok en fin de cuisson. Alors première étape, le tout petit piment ici, donc les graines, c'est vraiment ce qui arrache le plus. Donc on va éviter de prendre les graines. Il nous suffit maintenant de mélanger le miel avec la sauce soja, le petit jus de citron vert et le petit piment. Allez, on va tailler des petits cubes de viande. Normalement, on le mange avec des fines lanières, mais moi je préfère que la viande quand même elle soit assez épaisse pour qu'elle ait une bonne cuisson. La sauce est prête, la viande est taillée, il ne vous reste plus qu'à tailler tous vos légumes. Alors attention les légumes, hein. Tout dépend de la saison, vous prenez des légumes qui vous font plaisir, mais il faut des légumes qui restent quand même très croquants après la cuisson. Des pois gourmands, on va en faire une fine julienne. Et on va éplucher le gingembre, à la cuillère c'est une bonne méthode. Hein. Ça vient tout seul à la cuillère. La gousse d'ail et quelques petites pluches de coriandre. Et petit panorama du wok. Les épinards, l'oignon, les mange-tout, les carottes, la coriandre, l'ail, le bœuf, le gingembre. Allez, tous les légumes sont coupés, la sauce est prête, les viandes détaillées. On passe à la cuisson. Première étape, on va d'abord faire sauter le bœuf. On va le réserver, car c'est vrai que nous en France, on n'aime pas manger le bœuf trop cuit. Et ensuite, on va mettre les légumes dans un certain ordre et déglacer avec la sauce. Bon, j'avoue, c'est pas vraiment un wok, mais j'ai pas de wok. Hein. Donc ça, c'est une poêle évasée. Je mets un tout petit peu d'huile neutre, donc soit arachide, tournesol, pépins de raisin. Et je la fais bien chauffer. On met la viande. Je débarrasse la viande. Donc maintenant, on va faire suer le gingembre et l'ail. 2 secondes et j'ajoute mes carottes. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'eau pour cuire légèrement mes carottes. J'ajoute maintenant les mange-tout. Je cuis à nouveau une petite minute. J'ajoute maintenant l'oignon. Et je cuis une petite minute. Je mets ma viande de bœuf déjà rissolée à l'intérieur. Et je vais venir maintenant déglacer avec la sauce. Et je cuis 1 minute encore. Maintenant, il faut faire évaporer quasiment toute la sauce à l'intérieur du wok. J'ajoute maintenant les cacahuètes à l'intérieur et hors du feu. J'ajoute les pousses d'épinards et les feuilles de coriandre. Le petit wok gourmand. Ça, c'est canaillou, ça. Ça, c'est beau, ça. Immersion dans le wok. On arrive à la fin de la cuisson du wok. Je n'ai pas rajouté de sel. Il est amené par la sauce soja et pas de poivre non plus. J'ai mis le piment dans la sauce. Je peux vous dire, ça envoie quand même. Je mentais pas. Quand je disais que c'était super simple, il ne nous reste plus qu'à passer au dressage. On termine avec le jus du wok. Quelques petites cacahuètes qui sont encore croquantes. Plus de coriandre. Le meilleur moment, la dégustation. Vous l'entendez? Le bruit du craquant. J'adore ce plat, la viande est tendre, mais les légumes sont super croquants. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains!
Et on se retrouvera avec beaucoup de plaisir parce que franchement, ça a l'air encore une fois absolument délicieux, ce petit wok, on en salivait. Oh, Gérard, oui, on l'entend. Gérard, il n'en peut plus. C'est quoi ton... Tu sais ce que c'est ton déjeuner, Gérard, ou pas encore? Je ne sais pas encore, je n'ai pas été informé. Ah, très bien. Vous passerez un coup de fil à votre assistante. Très bien.